Lorsque le géoréférencement de notre carte est achevé dans Open Orienteering Mapper, nous pouvons donc quitter ce logiciel sans oublier naturellement d'enregistrer notre travail au préalable pour ensuite créer donc une nouvelle course dans Purple Pen. Nous sélectionnons bien entendu la carte que nous venons de réaliser. Nous complétons ensuite les différents écrans de Purple Pen comme d'habitude. Et nous retrouvons notre carte dans l'interface de Purple Pen. Nous pouvons donc maintenant placer nos premiers postes. Lorsque nos postes sont placés sur la carte et lorsque nous avons réalisé un premier circuit, nous pourrons donc procéder à l'enregistrement ou à la création d'un fichier XML. Attention, il est recommandé de ne travailler qu'avec un seul circuit par fichier Purple Pen avant de procéder depuis le menu Fichier à la création du fichier XML. Il faut être vigilant, il faut bien choisir le type XML-IOF version 3.0 et non 2.0.3 avant d'enregistrer notre fichier. Celui-ci se retrouve dans notre dossier de travail habituel. On peut consulter son contenu avec un simple bloc-notes tel que celui de Windows. Nous retrouvons donc ici les coordonnées, donc les longitudes et les latitudes de tous nos postes de notre circuit. Nous pouvons également utiliser un petit logiciel spécifique tel que RJ Text Edit, gratuit, qui apporte un confort visuel supplémentaire avec différentes couleurs au niveau des textes. Nous utiliserons ce petit outil par la suite pour corriger les coordonnées GPS d'un poste en cas de déformation de la carte de course d'orientation ou d'erreur par rapport au géoréférencement. Ce point-là fera l'objet d'une vidéo spécifique. Après avoir créé notre fichier XML, il faut également enregistrer l'image de notre carte au format JPEG et en 300 dpi de préférence. Alors on enregistre uniquement la carte du circuit numéro 1 dans cet exemple.